Proche à la langue et au palais. Les dents ont matière à moudre. Puis venait le mets de choix, la spécialité qui gagnait haut la main nos préférences dans la valse des plats. Le gefilte fish, la carpe farcie. Quand il faisait son entrée, les cris d'enthousiasme se mêlaient aux commentaires élogieux dans un bruyant chorus. Il ne nous manquait que d'être séfarades pour que les youyou fusent. Aux yeux du non-initié, j'imagine combien ces réactions étaient mystérieuses. Comment s'extasier devant ces darnes béjas d'un poisson dont plus personne ne voulait, empli d'une farce d'une même beige insignifiant, condimenté à une sauce betterave qui donnait l'impression que l'animal était victime d'une hémorragie. L'innocent aurait sans doute été encore plus stupéfait s'il avait eu la curiosité d'emporter un morceau à la bouche. Il aurait découvert une saveur douceâtre, un peu aigre, une consistance humide, empesée. Il y a fort à parier que la vénération de ma famille pour ce plat avait à voir avec ses modalités de réalisation. La carpe achetée vivante dans un tonneau rue des Rosiers, bastonnée par la balaboustée, la maîtresse de maison, dans la baignoire. Entrait sans doute aussi en compte le temps passé, la dextérité à reconstituer le poisson autour de la farce. Notre extrême conscience de la prouesse culinaire qu'il constituait et de la chance qui nous était donnée de l'avoir là, dans notre assiette, avait fini par contaminer le goût du plat. Et nous vouions tous un culte à sa saveur zis und säuer, acide et sucrée, si particulière.
Venaient ensuite les knailer, de pâles sphères irrégulières flottant dans un bouillon. La viande et les légumes qui avaient servi à confectionner le bouillon. Dans le grand plat, carottes, navets, poireaux échevelés avaient l'air de réchapper d'une noyade. Enfin, venait la compote pomme-pruneau, brune, filandreuse, délicieuse, mais dont l'aspect me faisait regretter les petits pots colorés du supermarché. Je n'avais jamais vu ma grand-mère s'inquiéter d'appliquer la foultitude de règles alimentaires propres à la religion. Peut-être Dieu avait-il cessé d'exister à ses yeux, comme avait cessé d'exister son père, sa mère, sa sœur et toute la Varsovie juive d'avant-guerre. Marron, beige, gris, blanc, une cuisine rébarbative, rustre, revêche, qui se fiche de plaire. La subtilité n'a pas sa place. Les odeurs vous appellent puissamment. Œufs, harengs, oignons, beaucoup d'oignons, disait ma grand-mère. Quelqu'un qui n'aurait pas été initié dès l'enfance à la saveur de ce plat était-il à même d'apprécier ? Et moi, quand avais-je cessé la grimace devant les plats qui m'étaient servis chez elle les jours de fête ? À quel moment avais-je commencé à espérer dans mon bouillon des knailers supplémentaires, à m'extasier devant la darne écrue, son hémoglobine betterave et son morceau de carotte ? Le plus savoureux, c'était peut-être les noms. Klops. À prononcer en claquant bien la langue. Pain de viande qui déborde de la terrine en renflement bombé, comme une cloque. Beignet de pâte à trapper à milieu de toute délicatesse. Latkes. Amas de petites pâtes fraîches sans fantaisie. Ferfel. C'est cette cuisine, sans coquetterie, aux couleurs divers, à la saveur rétive, que nous servait ma grand-mère. C'est cette cuisine que j'avais fini par aimer. Ce qu'il y a de truculent dans la cuisine yiddish, c'est que c'est une cuisine haute en couleurs, malgré les apparences. Et justement, cette chanson que je vais vous faire là maintenant, c'est une chanson qui évoque les repas de fête, toujours sous le signe de l'humour, une ritournelle que peut-être tout le monde saura chanter. Lo mir singen Kinderle, also mir zusammen, einigen de la Freilichen mit Werteler vos Grammen. Die Mami kocht a lokschen Sup mit Gashe und mit Gneilach. Kum der Yom Tev Chanukke, weil wir spielen sich in Dreidle. Chidi bim, chidi bam, chidi bim bam, bim bam, bim bam bam. Chidi bim, chidi bam, chidi bim bam, bim bam bam. Ay chidi bidi 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 bim bam bam. Chidi bidi 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 bam, chidi bim bam 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 bam. Da 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 da. Da 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 da. Amol is unser Rebbenu gegangen unter Wegen. Mit einmal hebt uns der Puchen eingissen nach Regen. Schreit der Rebbe, zieh dich, mach ich herauf, gieß in Wasser. Seine Nalle zieht im Trug nach Reus, noch der Rebbe ist ein Reuser Nase. Chili bim, chili bam, chili bim bam, bim bam, bim bam bam. Chili bim, chili bam, chili bim bam, bim bam bam. Ay, chili bili 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 bim bam bam. Chili bili 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 bam, chili bim bam 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 bam. Da 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 da. Man sagt, dass in den Städtelhelm wachsen noch Naronim, ob wir seinen die Kliege haben, mir a schönen Bonim. Ich hör noch lachen, Tag und Nacht, zu loch es die Gesslonim. Sagt, wer seinen die Narische, wer seinen die Rachomim. Chiribim, ab, chiribam, chiribimba.
nous regardions Columbo. Nous dévorions chaque épisode en faisant un sort à la plaquette Mastoc de chocolat Côte d'Or. Mon père avait beaucoup aimé entendre l'acteur raconter lors d'une interview comment il s'y prenait pour entretenir la crasse de son impair. Toute tache de café, toute tasse de thé renversée, venant parfaire la vérité du costume. S'il me semble avoir décelé que ma mère avait un faible pour les perdants, mon père adorait ceux qui en ont l'air, mais cachent bien leur jeu. Columbo est négligé, mal sapé, conduit une bagnole déglinguée, est parfaitement conscient de tout cela et n'en éprouve pas le début d'un commencement de gêne. Columbo n'a aucun savoir-vivre. Il allume son cigare dans l'ascenseur. Comme un concombre au sel dans une coupelle de caviar, il fait irruption au beau milieu d'une séance de psy et demande s'il peut rester. Oh, il se confond bien en excuses, mais on voit bien que son repentir est simulé. Il se moque d'être intempestif comme de son premier Sträumel. Il ergote, coupe les cheveux en quatre comme seul sait le faire un Ashkénaze héritier d'années de pile-poule. Ses discussions infinies sur telle nuance infime de tel point de détail du Talmud. Pourquoi le sang se trouve-t-il sur la partie supérieure du revolver et non en dessous? Pourquoi la cendre dans le cendrier pèse-t-elle deux fois moins que la totalité de celle d'une cigarette normale alors que la cigarette de la scène du crime est entièrement consumée et n'a pu être allumée que sur place? Comment peut-on se suicider juste après avoir raconté une blague juive? Columbo ne sait pas faire marcher un fax. Le meurtrier doit lui expliquer comment fonctionne le stylo qui lui tend. Columbo, c'est un pouilleux, un schlepper, un schnorreur, un pauvre hère. Il ne craint pas de fouiller dans les poubelles, prêt à récupérer le morceau de fromage sur la table où gît le cadavre effondré. N'allez pas croire que Columbo soit issu de l'immigration italienne. Columbo, c'est un vrai juif ashkénaze. Et je jurerais qu'en réalité, son plat préféré n'est pas le chili con carne, mais le gefilte fish. Alors, comme dirait Columbo, qu'est-ce qui est le plus important, la question ou la réponse? D'après un dicton, les Juifs répondent toujours à une question par une autre question. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a qu'une et éternelle question, c'est l'éternelle question. C'est l'ancienne question. Et Maurice Ravel ne s'y est pas trompé, d'ailleurs, dans ses mélodies hébraïques. Alors on peut la dire « tradididilom », on peut la dire aussi « tradididireilom », c'est selon. Ben, ce qui compte le plus, ce n'est pas toujours la réponse, c'est la question. Freg di velt analte caché, tradidididididom. Freg di velt analte caché, tradidididididom. Conversation parentale. Je ne sais comment ma mère a découvert cette expression, l'esprit de l'escalier.
Elle est frappée de constater à quel point sied à mon père cette disposition, ou plutôt non-disposition, cette inaptitude à ajuster la réplique adéquate au bon moment. L'argument qui fait mouche apparaît à contre-temps quand le contradicteur est déjà loin. J'aurais dû lui dire. C'est manquer la marche de l'à-propos comme on loupe une occasion. Avoir l'esprit de l'escalier, c'est le contraire du tac au tac. C'est n'être jamais au taquet. Mais pourquoi l'esprit de l'escalier s'appelle-t-il ainsi ? On pourrait trouver la bonne répartie après avoir fait quelques pas. Ça serait l'esprit de la marche. Peut-être l'image de l'escalier vient-elle figurer un esprit qui avance lentement, degré après degré, sous le poids de l'effort. Ce n'est qu'après avoir gravi l'escalier du raisonnement qu'on trouve la répartie qui s'impose. Mais cela donne l'idée d'un cerveau qui fonctionnerait comme pour résoudre une équation, décomposant les étapes, alors que la réplique pertinente est censée surgir en instantané, tel un génie hors de sa lampe. L'idée est plutôt celle-ci. Votre interlocuteur lance sa flèche empoisonnée et vous voilà bredouille devant lui. Bredouille et bredouillant, incapable de dégainer en retour. Vous quittez son salon l'orgueil en berne, descendez péniblement l'escalier de son immeuble. Ce n'est qu'une fois en bas de chez lui, dans le hall ou en pleine rue, que la réplique que vous auriez dû asséner vous apparaît. Il a fallu l'intervalle de l'escalier pour qu'elle gravisse les paliers de votre cerveau. Mais pourquoi cette scène cuisante aurait-elle pour théâtre l'appartement de votre interlocuteur et non le vôtre ? Parce que l'esprit de l'escalier advient du fait que vous n'êtes pas sur votre territoire. Vous ne trouvez pas la réplique adéquate parce que dans cette bataille décisive du dernier mot, vous êtes sur son terrain, colonisé par sa pensée. Certains disent l'esprit d'escalier. Je préfère l'esprit de l'escalier. Comme un génie du lieu qui se tapirait entre deux étages. Il paralyse votre cerveau depuis sa cachette et vous empêche de trouver la phrase ad hoc. À moins que ce ne soit un bon génie dont le rôle est de venir à votre rescousse, vous manqueriez de répartie et c'est lui qui vous la soufflerait alors que vous le croisez sans le voir en descendant les marches. Un génie plein de bonne volonté, hein, plutôt sympathique, mais inutile, absurde, puisqu'il est trop tard pour vous servir de son dilatoire trait d'esprit. Mais que se passe-t-il si l'on trébuche trop souvent dans l'escalier ? Le défaut de tempo est-il sans conséquence ? L'accumulation d'occasions qu'on a manquées peut-elle se solder par une vie gâchée ? Esprit de l'escalier n'existe pas en anglais, mais en yiddish, oui. Il se dit Treppwärter. Ah, les pères. Hein, Élise ? Ah, les pères, alors là. Bah, je me demande si les nôtres étaient un peu comme le petit garçon de la chanson que je vais chanter, là. C'est pas pour lui qu'on appelle là, les sirènes. Et dont la mère avait toujours peur qu'il prenne froid. Alors elle lui disait, remets un écharpe, remets un bonnet, remets des chaussures. Ah, il va attraper froid, mon chéri. Et finalement, bah, il a eu du mal à s'envoler, hein, le petit oiseau. Alors je me demande si c'est comme ça aussi pour la transmission. C'est-à-dire soit le risque de quelque chose qui vous entrave et vous tire en arrière, soit de bons bagages qui peuvent vous permettre d'aller plus loin et de prendre votre envol. Auf dem Weg steht der Baum, steht der Rhein gebeugen. Alle Vögel von dem Baum seinen sie zerflogen. Dreiken mein Ref, dreiken mis Rech, und der Rest kein Dorem. Und dem Baum gelost allein, hefker fahr dem Sturm. Sag ich zu der Mammen her, soll's mir noch nicht sterben.
weil ich Mame und zum Zwei bald der Vögel werden. Ihr will sitzen auf den Bäumen und will ihm verwiegen. Über den Winter mit der Trist, mit der scheinen Nigen. Jum, da di da di jum, ja di da di jum. Sag die Mame, nicht die Kind, und sie weint mit Tränen. Weißt Cholile auf den Bäumen, mich verfreuen werden. Sag ich, Mame, sie ist schon deine schöne Augen. Und jeder was, und jeder wenn, bin ich mir ein Vogel. Wenn die Mame sie kreuen, sehr um Gottes Willen, nehmen sich mit der Schaliko, können sich noch verkillen, die Kaloschen zu sich an. Es geht ein scharfer Winter und die Kutschme nehmen euch mit, weiß mir und wind mir. Daddy, daddy, um, 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 Mon père ne regardait pas que Colombo. Il y avait aussi Alexandre. Alexandre, pour se la couler douce et rester au lit, a mis au point un merveilleux procédé. Il a accroché sa pitance au plafond de sa chambre. Bon vin et saucisson. Il lui suffit de dérouler la ficelle près de son chevet, comme on déroule un store, pour se ravitailler grâce à un ingénieux système de poulies. Flémarder comme personne jamais n'a osé, s'offrir le luxe voluptueux d'une grasse matinée, puis d'une grasse après-midi, puis d'une grasse soirée, et cela tous les jours. Le panache dans la paresse, un rêve qu'avait peut-être caressé mon père. C'était du moins ce que j'avais pensé avoir le plaisir qu'il manifestait devant cette scène et qui s'incarnait d'autant mieux que Philippe Noiret, qui jouait Alexandre le Bienheureux, n'était pas sans présenter quelques ressemblances avec l'auteur de Mes Jours. Le nez charnu, semblant conçu pour capter les mille séductions des saveurs, la corpulence clamant une opposition massive à toute forme d'ascèse. Mon père, on aurait presque pu retracer son histoire à travers ses aliments préférés. Son histoire et la géographie de sa vie. Il y avait le Côte d'Or devant la télé, qu'il appréciait, je crois, autant pour son goût que parce que les ingrédients étaient écrits sur l'emballage dans différentes langues, dont l'hébreu. Il était arrivé en Israël, qui ne s'appelait pas encore Israël, à 5 ans, avec sa mère et sa sœur, et y était resté jusqu'à l'adolescence. D'Israël encore, le goût des graines de tournesol au sel, que j'ai retrouvé plus tard en Espagne sous le nom de pipas. Le houmous, qu'à une époque il achetait en conserve, ce qui lui donnait un petit arrière-goût de métal. C'était avant la déferlante des houmous dans les supermarchés et son invasion des tables basses quand sonne l'heure de l'apéro. En conserve encore, le cornet de bœuf angelé. Je crois qu'elle lui rappelait les colis alimentaires de la Croix-Rouge, ceux qui faisaient son ordinaire dans le camp où, enfant, il avait été interné. Avitel.
à moins qu'il ne s'agisse de la nourriture qu'on leur avait donnée sur le trajet de Vittel à Haïfa, Palestine, lorsqu'ils avaient quitté le camp à la faveur d'un échange de prisonniers. Il en est de même pour la crème caramel, qu'il avait découverte à l'époque dans les mêmes circonstances. S'il ne m'a pas converti au cornet de bif, son penchant pour la crème caramel semble être passé dans mes gènes, où elle s'y est épanouie sans entrave. La banane, en revanche, qu'il a découverte pour la première fois à Istanbul, lors de ce fameux échange de prisonniers, n'a jamais su trouver sa place sur son podium gustatif. Peut-être parce que cette première rencontre s'est faite sous le signe du malentendu. Il avait aussi mangé la peau. Son tropisme pour la tartine d'os à moelle lui venait, je l'ai su plus tard, de la cuisine ashkénaze, que sa mère avait conservée dans la valise de ses souvenirs. Il rapportait de chez elle carpe farcie, foie haché, pâte au fromage blanc et à la cannelle, qu'il aimait mais n'aurait pas su cuisiner. Et il profitait des pubs du programme du soir pour aller découper une tranche de saucisson de Cracovie pendue au crochet de la cuisine. De son intégration française lui venait un penchant jamais démenti pour les escargots à l'ail et, comme Alexandre, pour le saucisson pur porc et pas très catholique, enfin pas très juif, du moins si l'on pratique. De quelle époque lui venait ce goût? De celle qui a débuté avec son arrivée à Paris à l'âge de 13 ans? Ou de son séjour à Azay, près de Vendôme, dans une famille où tout jeune encore, il lui fallait cacher qui il était et où il avait découvert les canards? Non pas sur la rivière traversant le village, non pas la bête à plumes, mais le morceau de sucre que l'on imbibe de café et que l'on laisse fondre sous le palais, technique différente de celle que ma mère avait héritée de Pologne, ou peut-être était-ce de Russie, où l'on croque pur sucre, puis on sirote, puis on croque, on sirote et rebelote. Et toujours dans le placard de la cuisine, était-ce d'inspiration juive polonaise ou d'Israël, je l'ignore, mais en toute saison, pas seulement pour Pâques où la tradition l'impose, le pain azim de chez Rosinski. Ces tôles ondulées qui heurtent les gencives, sans goût, difficiles à tartiner avec ce beurre ou ce Nutella, ou encore, pourquoi pas, ce houmous qui se terre dans les creux, ce paysage blanc de vaguelettes rigides que l'on mange en souvenir de l'Égypte biblique, du départ vers un nouveau pays, ce pain d'exil et d'exode. À l'évocation d'Israël, j'ai pensé à une belle chanson écrite en hébreu, une chanson d'amour issue du Cantique des Cantiques, où il est question d'épices, de parfums et du vent de rose qui souffle à la tombée de la nuit. C'est un soir de rose. Sortons dans le jardin. De l'encens, des épices et de la myrrhe sont comme un tapis à tes pieds. La nuit descend doucement, un vent de rose souffle. Laisse-moi te chanter un chant d'amour. Shoshanim netzena el habustan.
Merci beaucoup. À propos de voyage et de pérégrination, il y a cette ritournelle yiddish qui est aussi une chanson d'amour et qui évoque les petits métiers, les marchands ambulants. Et elle dit, pour rester avec toi, je ferai le tour du monde, je me ferai teint en blonde. Ah ben non, c'est pas cette chanson-là, c'est l'autre. Je vendrai des bottines, je gagnerai 3 francs 6 sous, pourvu qu'on reste ensemble. Oui, far koifen di, sa poche keller, for naiv di drosh keller, abi midir ineinem zuzain. Vai lichondir, undu on mir, is vi aklam ke on attir, ketsa la feige le mains. Yedadadadad, dadadadadad, Far dinen fremde Geldler und vor neuf die Droschkeller hab ich mit dir in einem zu sein. Lors d'un dîner ashkénaze que j'avais décidé de préparer, sorte de Shabbat athée dépouillé de tous ses ornements religieux, prières, bougies, interdits, pour ne garder que la substantifique moelle, à savoir la bonne chair, le premier de mes convives est arrivé pour aussitôt ressortir. Où était le problème ? Le foie haché attendait sagement sur la table. Dans sa terrine, le klops faisait un dos rond du meilleur augure. Les harengs marinaient sans impatience. Le gâteau au fromage était craquelé à souhait. Mais de cornichons, point. Il allait réparer cet oubli au magasin du coin. Un repas ashkénaze sans cornichons, c'est comme de la carpe farcie sans sagelée. C'est comme un bretzel sans cristaux de sel. Comme un bagel sans pastrami. Comme une vodka sans herbe de bison. Comme un plat ashkénaze sans graisse d'oie, qui est à cette cuisine ce que le beurre est à la cuisine française, et que l'on appelle schmaltz. C'est comme un roulé au pavot sans graines de pavot. C'est comme des harengs marinés sans oignons. C'est comme un foie haché sans oignons. C'est comme des œufs aux oignons sans oignons. C'est comme la cuisine ashkénaze sans oignons. C'est comme un débat sans point Godwin. C'est comme un inconscient sans jeu de mots.
comme un escalier sans esprit. Oui, mais est-ce de cornichons qu'il est vraiment question ? Dans La promesse de l'aube, Romain Gary évoque les concombres salés, écarte noir sur blanc le mot cornichon. À Varsovie, le héros d'un tout petit monde, d'Isaac Bashevis Singer, dès qu'il s'est installé dans le roman et à sa table, se voit servir un concombre au sel pour accompagner son hareng haché, pas un cornichon. Pourtant, la vendeuse de Finkelstein, la célèbre boutique yiddish de la rue des Rosiers, affirme que concombre et cornichon, c'est fromage blanc et blanc fromage, le cornichon n'étant qu'un concombre cueilli petit. Sur Internet, je trouve tous les spécimens de réponses possibles. Le concombre ne serait-il qu'un cornichon qui aurait grandi ? Fatiguée d'ergoter, j'ai décidé de couper le concombre en deux. Va pour le mot cornichombre. Alors, pour les repas du Shabbat, cette fête qui dure du vendredi soir au samedi soir, qui est censée le vendredi soir se célébrer par un bon repas, entre autres choses, il faut quand même, comme tu viens de le dire, Élise, certains ingrédients. Et donc, dans cette chanson, justement, ça évoque tous les ingrédients qu'il faudrait, mais c'est à une époque où tout vient à manquer. Il n'y a même plus de sel, il n'y a même plus de vin, il n'y a même plus la challah, les brioches tressées pour faire le Shabbat. Et il n'y a même plus de schmaltz. Alors le Shabbat, bah, on verra vendredi prochain. Ba 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 ba
J'ai été opérée de la honte. Ce sont texto les paroles d'une amie un jour que, caddie en main et bille en tête, elle s'apprêtait à risquer la file d'attente du supermarché sous prétexte de grossesse soudaine. J'ai été opérée de la honte. Cette expression m'a frappée. Ce n'est pas anodin, une opération. Il y a toujours le risque d'y laisser des plumes. Et si par mégarde, on vous enlevait, je ne sais pas moi, le sens de l'orientation ou l'appétit? Surtout, cela donne l'impression que la honte est innée, mais peut se révéler inutile, voire gênante, comme les végétations ou les amygdales. Il est vrai que la honte vous inhibe, vous embarrasse, vous empêche d'agir. Excusez-moi de vous demander pardon d'oser avoir l'audace d'occuper une place sur ce petit tabouret à trois pieds en particulier et dans ce monde en général. Un R qui enfle, qui gronde, guttural, inconvenant, comme un rot éructé sans la moindre gêne, qui s'ébroue et se déploie tel un superbe paon pour finir comme un paix. Un mot qui ne manque pas d'air. Un mot aussi qui se comprend de lui-même, ressemble à rouspéter, à toupet. Rouspé. Le rouspé, c'est le sans-gêne, l'arrogance, le culot, l'insolence. Mais c'est aussi la débrouillardise, l'absence de conformisme, l'audace, le cran. Le rouspé vous ouvre toutes les portes, quitte à y mettre le pied pour forcer un peu. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a permis au mot de franchir la frontière des langues pour être adopté en allemand, en polonais, en hollandais, en anglais. Avoir du chutzpé, c'est ne pas hésiter à se servir en premier. C'est s'arroger sans vergogne la place handicapée. Le chutzpé dit que tu lui donnes ça, il prend ça. Mais c'est aussi avoir de l'estomac. Je ne vois pas un lanceur d'alerte demander l'autorisation de fouiller et de faire fuiter. Sans chutzpé, pas d'Erin Brockovich. Mais c'est aussi ne pas se prendre pour du schmaltz. C'est se hausser du col, c'est jouer des coudes, c'est vivre sans entrave, c'est être égoïste. C'est croire à la sélection naturelle et se l'appliquer à soi-même. Mais c'est aussi estimer que rien n'est donné, qu'il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. C'est tout faire pour s'en sortir, il y a une énergie dans le chutzpé. C'est ne pas craindre le qu'en dira-t-on. C'est avoir compris que politesse et bienséance ne sont pas l'aleph et le shin. Faut-il, pour être chutzpédique, passer sur le billard? Je crois du moins que le chutzpé se conquiert, qu'être chutzpédique n'est pas spontané, qu'il faut y mettre du sien. C'est avoir le courage de quitter l'ombre des façades et se tenir bien en évidence dans la lumière. La honte n'a pas disparu, elle est là dans votre dos, sous le porche, attendant son heure. Mais pas question de lui laisser la vedette. Alors, on redouble de culot. Resquiller demande une certaine dose de bravoure. On peut applaudir Élise Goldberg, mesdames et messieurs. J'en connais un là qui a quand même pas mal de culot là, hein, franchement. Et alors, à propos de se poser 1000 questions et de couper les cheveux en quatre, voici une chanson qui fait mine de se moquer des penseurs, des philosophes, des scientifiques, enfin ceux qui inventent des choses, quoi. Et qui fait soi-disant la part belle aux rabbins qui restent dans leur bulle et qui croient encore au miracle. Enfin, c'est quand même surtout une chanson qui fait la part belle au rêveur, je crois. Et viens ici, toi le philosophe, avec ta petite cervelle de chat. Viens aussi auprès de la table du rabbin pour apprendre sa sagesse. Tu as inventé un bateau à vapeur
et tu te crois intelligent, tu en es fier. Mais le rabbin, lui, il n'a qu'à étendre son foulard et il traverse la mer. Tu as rêvé d'un train et tu te crois intelligent, mais le rabbin, lui, s'en moque, il en rit. Le rabbin, lui, il n'en a pas besoin pour se déplacer. Akumaher, du philosophe, mitan ketz shen moichu. Akumaher, zu rebenstich, u lern sich du seichu. Ja, baba, ja, baba, ja, baba, 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 ja, baba, baba. Schiff hast du uns getracht und nimmst der mit sich hieber. Der Rebbe spreit sein Tichel aus und stand dem Jam arriber. Du bébé, comme maman, mummy en anglais, mamé en yiddish, mamé lotion, la langue maternelle, le yiddish, mamé lotion, nouilles de maman dans leur bouillon ou mamie, amer, acide, sucré, salé ou mamie. Le mot umami n'est pas né de la langue française, ni du yiddish, mais du japonais. Umami, c'est les couches de goût, la saveur qui dure, s'étire, comme un repas de famille débordant les 12 coups de minuit. Umami, c'est la douceur du bouillon qui amadoue la langue, ce liant qui arrondit les angles dans la saveur des plats et les rend délectables. Si le vocable est nippon, pas de problème de traduction. Umami se dit umami dans toutes les langues. Sauf en yiddish peut-être. L'usage du mot s'est répandu à une époque où ceux qui le parlaient encore étaient devenus aussi rares qu'une poignée de graines de cachet oubliées dans l'assiette. La cuisine yiddish a manqué l'umami. Et cela me semble l'amputer d'une saveur dont on l'accuse déjà d'être avare. Car la chose existe-t-elle sans le mot ? On pense aux faux-fuyants entre les frontières. Certains termes français manquent en anglais. Le contraire est également vrai. Dans bien des langues, dépaysement n'existe pas. Pour l'évoquer en anglais, on écrira « dépaysement ». Cette sensation serait-elle donc proprement française ? Le yiddish a « bodenlos », que l'on pourrait décrire comme le sentiment d'être sans sol, sans appui, mais qui n'a pas son équivalent en français. La cuisine yiddish est-elle exempte d'umami ? Force est de reconnaître que ses appâts ne sautent pas aux yeux. Carpe farcie et pied de veau en gelée en sont la preuve. Or, la saveur umami se caractérise par son évidence, sa séduction immédiate à la première bouchée. Pas besoin de s'acclimater comme pour le goût âme, âcre ou amer. Le lait qu'absorbe le nourrisson au sein de sa mère est umami. Si cette saveur est récente dans le langage, c'est ainsi la première que l'on goûte dans une vie, ce qui la rend bien plus ancienne que le yiddish. Mais si je consulte la mémoire de ma langue et de mon palais,
Le bouillon odorant des repas révolus de ma grand-mère, où baignaient Kneidler et Krepler, est ou mamie. Le ragoût, ce mot si français faisant surgir des fragrances de sauce au vin, l'est à coup sûr. C'est donc encore vrai pour le cholent, ce ragoût ashkénaze mijoté à petit feu toute une nuit. À ces évocations, mes souvenirs salivent, comme envoûtés par une bouchée d'umami sur le bout de la langue. Alors, on va se quitter sur une dernière petite chanson. Une chanson qui parle aussi d'un ingrédient dont on n'a pas encore entendu parler depuis tout à l'heure, qui évoque les temps anciens, enfin, ou pas trop, pas si anciens, où on manquait parfois de tout, où on n'avait juste pas grand-chose à manger. Et au moins, il y avait parfois quand même des pommes de terre. C'est parfois, pour certains, c'est l'essentiel. Alors, en yiddish, je vous apprends un petit mot pour que vous puissiez vous déplacer dans tout territoire yiddishophone sans problème. On dit, pour la patate, on dit boulbé. C'est bon ? Donc, en général, si vous allez dans un pays, vous n'aurez jamais de faim avec ce mot. Alors, voici, mesdames et messieurs, pour nous dire au revoir, cette complainte parmentière. Lundi, des patates. Mardi, des patates. Mercredi aussi, etc. Et encore, et encore. C'est le blues de la patate, mesdames et messieurs. Ça s'appelle le boulbès blues. Boulbès.